Ensemble, nous nous voulons solidaires d'un homme intègre, fidèle et loyal, qui a donné le meilleur de lui-même au service de son pays. C'était un de nos derniers héros, un vétéran de la Deuxième Guerre et de la guerre de Corée, qui avait gagné une croix militaire à la Deuxième Guerre. C'était quelqu'un aussi qui était un de mes prédécesseurs comme colonel du régiment. C'est quelqu'un, lorsqu'il a quitté les forces après 30 quelques années, a œuvré dans beaucoup de domaines pour aider les militaires retraités. Alors, c'était une personne éminente, quelqu'un qui méritait les honneurs qu'on lui fait aujourd'hui. Un militaire gentleman. Je pense que ça décrirait l'individu, parce qu'évidemment, il a fait ses preuves comme militaire, mais aussi, c'était quelqu'un qui parlait à tout le monde. C'était un mentor dans tous les rôles qu'il a occupés. Et comme colonel du régiment, il a fait énormément pour rapprocher le côté civil avec le côté militaire, et évidemment, pour renforcer aussi la collectivité régimentaire. Garde,